Bonjour et bienvenue à tous pour cette petite vidéo sur Roller Coaster Tycoon 3, un vieux jeu mais très intéressant. Un jeu de gestion, de parc d'attractions, si vous connaissez, qui date peu maintenant, hein, mais qui est juste trop génial. Voilà, j'adore ce jeu, j'y ai joué beaucoup j'y ai joué beaucoup aussi il y a pas longtemps, et du coup bah, je l'ai ajouté à ma liste parce que c'est génial comme jeu. C'est moi cette musique, si elle est pas géniale. Là on est dans les années 2000, direct, on est reparti. Ouh, bon, du coup, c'est parti. On va faire le mode carrière, et donc le principe de cette session de jeu sur Roller Coaster Tycoon 3 va être, bien évidemment, de finir tout le mode carrière. Et oui, ça va prendre un temps, hein, forcément, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est bon. Hop, donc il faut qu'on aille jusque là pour faire 18 scénarios, et après on passera au reste. Et ça va être génial. Voilà, voilà. Allez, c'est quoi ça? Vanilla Hills. Vanilla Hills, c'est le point de départ de votre trajectoire météorique. Si vous y parvenez, vers le statut de mania des montagnes russes. Oh oui. Saurez-vous faire de cet endroit celui dont tout le monde parle? Votre classement en tant qu'apprenti, entrepreneur ou mania en dépend. Très bien. Eh bien, écoute, allons-y. Vraiment lancé? Oui, vraiment lancé. Pourquoi je ne lancerai pas? Je me lance. Je n'attends pas. Je ne suis pas là pour attendre. Je suis là pour jouer. Construire des parcs, faire peur aux gens, les faire vomir. Ça, c'est mieux. Alors, quel est notre objectif? Visiteurs du parc, 400. Il faut que j'atteigne 400 personnes. Très bien. Oh, le petit bug de son. On aime les bugs de son. Bon, ça va revenir. Bon, voilà, c'est revenu. Valeur parc minimale, 20 000 euros. 20 000 euros, mais je suis pauvre, moi, les gars. Bon, on va commencer par faire pause, déjà. Première étape. Faisons pause. Ah, les petites musiques de Roller Coaster Tycoon. On est bien, on est posé. Entre nous, tout va bien. C'est parfait. Alors, on a des petits parcs bien sympathiques sur les côtés. Notre objectif étant donc d'atteindre 400 victoires. Mais ça va pas être très compliqué. On a une petite attraction ici. Qu'est-ce qu'on a comme attraction disponible déjà? Ouais, celle-là, c'est celle qui marche le mieux, c'est genre les petites attractions comme celle-là. Il y a les grosses attractions montagnes russes comme ça, là. Mais ça coûte méga cher, et c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, c'est de faire toutes ces petites attractions. Mais avant de faire toutes ces petites attractions bien sympathiques, on va tout simplement mettre de la bouffe. Attends, je peux reculer un tout petit peu, histoire d'avoir la musique. Ouais, parfait. On va mettre de la bouffe partout, parce qu'il en faut. N'est-ce pas? Alors déjà, on va commencer par... En fait, je sais ce que je vais faire, les gars. Je suis désolé. Je vais juste... Ah, non! Je vais juste faire une petite pause, enlever la musique du jeu. Mais j'aime bien la musique du jeu, mais le problème, c'est que quand je suis loin, elle est méga forte, genre. Et quand je suis prêt, il n'y en a pas du tout. Du coup, c'est un peu relou, non? Je sais pas. Bon, je vous me dirai. La première, je vais faire comme ça. Je vais laisser comme ça. Et pour la deuxième vidéo, je mettrai une musique de fond de moi. Enfin, de moi, sur internet, et comme ça on verra bien on envoie la musique du jeu comme ça, peut-être que ce sera mieux. Bref, passons. Alors on va mettre un petit truc info au début, histoire que les gens ils soient là en mode ouais, on va acheter des petits tickets, des pliants, des plaquettes, tout ça. Et le principe va être... ah non, attendez, ah mais non, je sais, ah mais oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors en fait, on va pas faire comme ça, on va faire des attractions, un groupe d'attractions, plusieurs attractions qu'on va faire ici. Et comme ça, on va faire un endroit où on va mettre plein de bouffe, etc. Parce que le principe en fait du jeu, pour que ça marche bien, au final, eh bien c'est tout simplement... de faire passer les gens, de faire des trucs à thème, genre, enfin pas des trucs à thème, mais genre des espaces avec plein d'attractions, avec plein de bouffe, etc. Histoire que les gens, ils achètent tout. Tu deviens riche. Voilà. Ouais. Du coup, on va faire l'entrée et la sortie. On va faire... combien j'ai de thunes, moi, déjà? J'ai 10 000. Enfin, j'avais 10 000. Hmm. Ok, sachant que je vais gagner pas mal de thunes, ouais. Donc on va optimiser un peu tout ça.
là, hop, avec l'entrée ici, sortie ici. Très bien, très bien, très bien. On va faire mettre celle-là aussi. Hop, les deux petites attractions à côté, sympathique. On va même les coller. Remarque, c'est pas la même taille. Hein. Attends, je vais le tourner. Hop, voilà. Non, mais non, même là, c'est pas la même taille. C'est pas gentil ce que vous me faites là. Non, du coup, ben, du coup, je vais la mettre là. Voilà, tout simplement, avec l'entrée et la sortie. Hop, et on va en mettre une petite dernière. Un top spin. Ah non, il est déjà là. On va pas être un top spin du coup. Il me reste combien là, 7000 Ah bah c'est bon. Bon bah écoute, on va laisser comme ça pour le moment, ça va être très bien. On va faire des petites routes pour relier tout ça. Rallier tout ça. Alors avant de faire les routes pour rallier, on va faire les routes pour les sorties et les entrées d'attraction. Oui, oui monsieur, très bien. Hop, on prend ça. Mais non, mais je t'ai dit de prendre ça. Tu m'embêtes. Ah oui, j'ai que ça de disponible. Okay. Alors, le principe étant qu'il faut faire des entrées qui sont assez longues, en fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller par là, hop. Voilà. Comme ça, ce sera très bien. Hop. Voilà. Comme ça, les gens rentreront par là. De toute façon, il faut que les gens arrivent là, dans cette zone où je vais faire plein de bouffe, etc. Avant de pouvoir rentrer dans l'attraction, comme ça, ils pourront rester là et faire toute l'attraction. Tout ça, tout ça. Vous avez compris ou pas, c'est pas grave. Alors là, c'est pareil. Hop, on va aller par là. Voilà. Très bien. Et pour celle-là, bah, je vais pas la faire passer par là. Pourquoi pas. Hop. Ah, mais non, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Du coup, ben écoutez, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Hop là. C'est magnifique. Plus beau parc d'attractions du monde, je pense. Sans me vanter, hein, bien entendu. Bien entendu. Alors, du coup, il va me falloir une route ici. Une route là, une route là. Sachant qu'ici, je vais mettre des petits bâtiments pour acheter de la bouffe. Ici aussi. Je vais sûrement faire un espace ici, en mettre là. On va commencer par relier toutes les routes déjà. Hop, voilà. Hop, hop, c'est très bien. Comme ça. Ainsi que... ouais, ça c'est la sortie d'attraction. Remarque, je peux faire comme ça, tout simplement. Et faire une double... Ah, demander de faire un truc à hauteur, enfin, et voilà, faire une double route comme ça, hop, ce sera très bien, voilà, voilà, et le but étant que les gens après rejoignent cet espace là, n'est-ce pas? Bon, alors on va voir ça déjà, très bien, maintenant on va mettre des labos, des burgers par exemple, on doit y avoir des raccourcis pour tout ça, si seulement je les connaissais. Ouais, j'y ai beaucoup joué, mais je connais aucun raccourci. Oh, le bolos! On va mettre un burger, un vendeur de glace. Hop. On va mettre... ici. Même. Voilà. Après, on va foutre des boissons. Qu'on va mettre, genre... Hop. Sans oublier bien sûr de mettre des vendeurs de ballons, très important pour que les gens soient contents, c'est pas qu'on va mettre bien évidemment ici même, voilà, très bien, et des shots. Des distributeurs de billets et des chiottes. Alors ça, c'est pas compliqué. Les chiottes, on va les mettre... les toilettes, on va les mettre là. Là ou là. Ou là, ou là. Ou là. Ou là. Là, là. Et le distributeur de billets qu'on va mettre ici. Voilà. Et maintenant, on remplit tout ça avec des routes. Tout simplement. Hop. Voilà.
Très bien. Très bien tout ça. Hop, hop. Voilà. Tac, 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 tac. C'est pas beau, c'est fonctionnel. C'est ça qu'on veut. Hop. Très bien. Un petit espace bien sympathique, avec quelques attractions, des petits burgers, tranquillou, sans pression. Et maintenant, on va mettre quelques petites décos. Enfin, pas des décos, mais genre des bancs. Des bains, ouais. Et bimbou, bimbou. On va mettre des bancs ici et là. Voilà, très bien. On va en mettre aussi ici. C'est important que les gens ils puissent s'asseoir. Parce que comme ça, ils mangent et ça les force à rester. Vous comprenez? En plus, ça les attire. Les petites décos, tout ça. C'est bien. C'est bueno. On va mettre des bancs et des lampadaires surtout. Pour avoir de la lumière la nuit. Tout simplement. Voilà. Hop. Une là. Et il en faut pas mal, ouais. Il en faut pas mal du tout. Histoire qu'on éclaire bien tout ça. Que les gens aient envie de rester, tout simplement. Hop. Une petite lumière ici. Et une dernière ici. Ça devrait aller, je pense. On va juste faire un petit chemin en mode de lumière. Chemin de lumière. Hop. Voilà. Très bien. C'est excellent tout ça. Juste rajouter des petits bancs ici et là. Très bien, très bien. Faire une route là, histoire de pouvoir mettre d'autres bancs. Ici et là. Hop. Voilà, voilà. C'est très bien tout ça. Et un lampadaire ici. Bon, normalement, ça devrait suffire. Je vais juste... Attends, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui pourrait manquer, là, éventuellement? Peut-être mettre un autre truc à bouffer ou quoi? Voilà, allez. Je vais mettre juste un autre vendeur de boissons. Ah non, j'en ai déjà un, là. Ouais, je vais mettre un autre burger, alors. Les gens aiment les burgers. Regarde-toi. Toi, je sais, toi, que tu aimes les burgers. Homme ou femme qui me regarde. Ne fais pas semblant. Très bien. Et le mieux, ce serait que je rejoigne ici également, histoire que les gens... Toujours faire un chemin qui se suit, tout simplement. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Et voilà. Histoire que s'il y a toujours un flux de personnes, flux de mouvement. Voilà, voilà. Bon, alors ça devrait suffire comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire... Tout simplement, c'est où déjà? Là. C'est ça, hop, voilà. Tout simplement... Ah oui, non, il faut que je fasse autre chose avant. Parce que bon, on va pas mettre tout ça gratuit, hein, n'est-ce pas? Ce serait bête. Du coup, on va tout augmenter de 20 centimes, au moins. Hop. Histoire de se faire des sous, un peu. Voilà. Allez, toi aussi. Et toi aussi. 4,70€ pour un grand burger, ça va. Franchement, c'est pas si cher. Hein. Moi, je dis. Bon, ok, c'était une autre époque, mais... peut-être qu'à pour avant, c'est cher. Mais... bon, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Ok, très bien pour les boissons, ça c'est bon. Pour les toilettes aussi, on va pas les mettre gratuites, hein, faut pas déconner. Il faut pas déconner. On va mettre ça à 20 centimes. Voilà, très bien. Ah, c'est quand même moins cher que dans les gares, hein, attention. Pour les ballons, la même. Hop, hop, hop. On va tout augmenter de 20 centimes. Est-ce que je peux mettre... oui, bien sûr, je pense. Je peux, voilà, augmenter le prix de 40 centimes sur les attractions. Tout est plus cher, mais on aime ça. 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2, 3. On n'est pas là pour faire de l'offrande. Hein. Nous, on est là pour gagner des thunes et des visiteurs. Plus on a de thunes, plus on a de visiteurs, plus on a de visiteurs, plus on a de thunes. C'est comme ça que ça marche dans le milieu. Il faut pas déconner. Bon, et il y a aussi les points d'information. Là. On peut augmenter un peu tout ça de 20 centimes. Pareil. Hop. On vous prend pour des gros pigeons. Mais c'est pas grave, parce que vous êtes un jeu vidéo. Et donc, on s'en fout. Alors, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon comme ça.
va juste falloir que j'ouvre tout ça maintenant. Où est-ce que c'est là. Que j'ouvre tout ça. Hop. Ouvert tous les parcs d'attraction, ouvert tous les magasins, et ouvert tous les toilettes et les distributeurs. Et voilà, normalement, ça devrait augmenter bien comme il faut, je pense. Juste mettre un peu plus de sous dans la recherche. Emprunt 5000. Ah ben on va tout rembourser direct. Je peux pas. Je pourrais presque. Et où est-ce que c'est déjà? Où est-ce que c'est déjà? Enfin. Budget. Ah oui, c'est ça. Budget du ça c'est le budget de la recherche. Donc on va augmenter les montagnes russes. Les attractions pour enfants. Ah oui, c'est vrai que je peux mettre ça aussi. Putain, j'avais oublié. Donc je n'ai pas fini. Attractions calmes. Les magasins et services, bien entendu. Et le reste, on s'en bat les nuts. Hop. Voilà, voilà. Comme ça, on pourra avoir plein d'attractions. Et avoir plein de nouveaux clients. Wouhou ! C'est un peu le but, non ? Oui, j'avais oublié, mais il y a ça aussi, genre un petit manège, tranquillou, sans pression, qu'on peut mettre genre ici par exemple, mais sans supprimer tous les arbres des alentours, histoire d'attirer les gens un peu. Genre par exemple, je le mets là, hop, je fais l'entrée ici, et la sortie ici, tout simplement. Voilà, voilà, comme ça, c'est très bien. Hop. C'est très bien comme ça. Parfait. Alors, toi, hein? Toi, eh bien, toi, tu vas monter. Tu vas monter à 1,50€. Ouvert. Est-ce que j'en ai pas d'autres? Ah non, j'ai plus de sous, là, de toute façon. Bon, eh bien, écoutez, c'est parti. On va bien voir ce que ça donne. Digidigidi. Allez, les gars, on y va. On n'attend pas. Ah, mais attendez. Ah oui, bah oui. Et il faudrait peut-être que je mette des gens, genre des gens, genre des employés, vous savez. Non, c'est pas là, c'est là. Très bien. Tais-toi, toi. Un gardien, un mécanicien. Oh là, oh là, ça suffit pas, ça. Les gars, ça suffit pas. On va être au moins deux gardiens supplémentaires. Ici. Ainsi que un employé mécanicien supplémentaire. Et on va bien entendu, c'est là, augmenter leur salaire. Et bien entendu, c'est où? Augmenter leur efficacité, tout ça. Mais ça coûte des sous, bien sûr. Donc il va falloir que j'avance un peu le temps. Bon, voilà. Maintenant qu'on a ça, on est bon, normalement, ça devrait marcher correctement. Ça devrait même très bien marcher tout ça. On va gagner plein de thunes. Ça va être cool. Déplace-toi un peu toi. Par là. Il fait nuit. Mais bon, ok. Il a fait nuit, mais pas très longtemps quand même. Ah, on a des stands de crème solaire. Les protections de Super Flyer restent fermées. Comment ça? Mais assis-toi. Hey. Pourquoi c'est fermé ça? Pourquoi c'est fermé ça? Non, c'est ouvert. C'est midi lui. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Bon, déjà je vais augmenter le prix, hein, pas déconner. Faut pas déconner. Et maintenant, mais non, c'est ouvert là. Pourquoi il me casse les couilles? Non, mais c'est bon. C'est bon ça. Bon, alors le gardien numéro 1, déjà on va lui faire des petites formations. 100 euros. 100 euros! J'ai pas 100 euros! Ah! C'est bon, j'ai 100 euros. Nickel. Vous voyez comment ça marche? Ça, c'est la configuration parfaite. Des trucs à bouffer, des attractions. Et là, ça marche du feu le dieu, moi, je te dis. Du feu le dieu. Là, je vais avoir de plus en plus de visiteurs. Ça va être parfait. Moi, je vous le dis, moi. L'expérience qui parle. Expérience de gérant de parc d'attractions, bien sûr. Évidemment. Pas tarder à être à 400. Visiteur, pouvoir augmenter lui aussi bientôt. Ça coûte combien? 150? 200? 200 euros? Putain, c'est riche. Bon, on va attendre un peu avant de l'augmenter du coup.
Toute cette attente, c'est trop bien. Ah oui, par contre, il faut que je fasse autre chose là. Que j'ai oublié, dis donc. C'est qu'il faut que je puisse. Comment on dit? Comment on dit enfin? Attendre, voilà, attendre que ce soit complet. Attendre que les attractions soient complètes avant de les lancer, s'il vous plaît. Ou au moins à trois quarts charge. Bon, au moins celui-là va à trois quarts charge parce que. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui y va comparé aux autres. Lui, c'est pareil. Complet. Sinon, les gens vont attendre 10 ans. Ah non, on laisse la musique. Cette belle musique d'attente d'ascenseur. Elle est belle. Elle est magnifique. Mécanicien, songe à démissionner. Mais non, mais non, mais attends. Mécanicien numéro 2, attends 2 secondes. Ton tour viendra. Avant de démissionner. Je vais. Bon, d'accord. Je vais commencer par toi. Et te rendre un tout petit peu plus efficace, l'ami. Hop. Le plus important, c'est de les former parce qu'après, ils sont beaucoup plus rapides. Genre surtout pour les. Je sais pas, les poubelles, comme vous pouvez le voir. Mais on s'en fout parce que vu que les gardiens sont très efficaces, et eh bien du coup, il n'y a jamais rien qui traîne sur le sol. Et ça, c'est bien. C'est même très bien. Attraction, Superfly réparée. Ah, mais d'accord, c'était pas. Très bien. Eh bien écoutez, bah, c'est parfait, c'est parfait. Dès qu'on aura d'autres attractions, on va les mettre. Tout simplement. Je me demande si je peux pas déjà en mettre un peu plus, genre un Dingo Golf. Ou un autotrampoline, autotamponneur plutôt, autotamponneuse. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Est-ce que je mets ça ou pas? Pourquoi pas, Marc? Ça ferait plus d'activité sur mon parc d'attractions, dites donc. Un monorail, non. Chat de chez Shire. Non. C'est trop compliqué à faire. Manège. Reese's Peanuts and Butter. Ça, on l'a pas, ça. On l'a pas, ça, dites donc. On va le mettre, tout simplement. On va le mettre ici. Hop. Voilà. L'entrée et la sortie. Et on va le faire passer comme ça. Hop. Hop, voilà. Très bien. Et le sortir par là. Et mettre à fond la money. Hop. Et ouvrir cette chose. Voilà. Allez les gars, des nouvelles attractions, allez-y. C'est beau, c'est propre. Je vous en prie. Amusez-vous, vous êtes là pour ça. Ok, et on va pas mettre de grosses attractions parce que ça coûte la peau du cul. Tout simplement. Alors, c'est bon, j'ai presque 400 visiteurs. Ce qui est très bien. Très bien, tout ça. Et quels seront mes autres objectifs? Entrepreneur, 500. Et voilà! Wouh! J'ai gagné plein de thunes en. Non? Ok, j'ai pas gagné plein de thunes en fait. Normalement, je suis censé gagner plein de thunes. 60 000 euros! Et 600. Bon, le but, ça va être d'avoir 600 visiteurs à terme. Très bien. Bah écoute. De toute façon, je commence à avoir plein d'attractions, donc on va toutes les mettre à la suite. Sans pression. Aucune. Tout en ajoutant à chaque fois des lampadaires, des bancs, des trucs comme ça. Mais je vais d'abord attendre un peu. De toute façon, le nombre de visiteurs augmente petit à petit. Ce que je vais faire après, c'est quand j'aurai assez d'attractions comme ça, hein, je vais me faire un autre gros centre ici d'attractions. Ça, c'est pour attirer plein de visiteurs. Et ce que je peux même faire dans ce magnifique jeu, je crois que c'est là. Non, c'est peut-être là. Non, c'est là. Voilà, ça. Je crois, c'est ça. Acheter terrain, mais non. Campagne marketing, voilà, c'est ça. Et je peux, bon pour attraction gratuite ou campagne publicitaire. Et oui, je peux faire ça. Et du coup, il y aura plein de gens qui vont venir. Journal national. Coût total 350 euros. Vas-y, on va. Est-ce que je peux faire ça? Coût hebdomadaire 350 euros. Oui. Vous manquez de liquidité. Oh, de suite. Bon, on va au moins mettre une semaine. Hein. Voilà. 0 semaine restante. Putain, c'était court. C'est allé vite la semaine là. C'est allé vite tout ça. Est-ce que j'aurais pas oublié?
par hasard, dans ma grande incapacité, à mettre... Voilà, c'est ça, complet. Très bien. Il n'y a aucun mécanicien disponible pour Superfly. Mais tu déconnes ou quoi? Quoi, t'es toujours pas content, toi? Tu te fiches de moi? On va te former un peu plus, là, parce que ça va pas du tout. Hein. On va te former un petit peu plus, et puis on va augmenter ton salaire. Comme ça, tu vas arrêter de me casser les notes. Hop, voilà. Très bien. Gardiens, c'est pareil. Les gardiens, il faut les former pour qu'ils aillent plus vite. Enfin! C'est où, c'est là? Voilà, on va former tout ça. Très bien, tout ça. Je peux pas mettre de prix. Non, je peux mettre de prix d'entrée. Dommage. J'aimerais bien faire, genre, mettre un prix d'entrée et un prix pour les attractions. Histoire de gagner toujours plus de money! Money, money. Vous voyez comment ça monte vite, là? Ça qui est bon. Ça qui est bon. Du coup, il y a pratiquement personne pour cette attraction. C'est drôle. Hop. Je continue la formation de mes petits employés chéri. Histoire qu'ils fassent un bon travail. Toujours. Hop. 50 euros. La prochaine est à 100 euros. On va y arriver bientôt. Là, 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 là. Oui, c'est bon. Et pareil, 200 euros dès que je les ai. Dès que je les ai, on augmente tout ça. Et normalement, ça devrait aller très bien. Hop, voilà, parfait. Normalement, j'en ai assez. Bon, très bien. Après, je pourrais même faire un prêt hein, pour histoire de pouvoir tout construire d'un coup. Mais pour l'instant, j'ai pas assez d'attractions pour faire ça. Je n'ai pas assez d'attractions. Il y en a quoi? Une de plus, la double roue céleste. Me coûte 1200 euros, mais j'ai pas 1200 euros. Il me manquera quoi? Le manège dinosaure à mettre, la double roue céleste, wow. Ainsi que la maison bizarre et le spectacle de tigre et l'auto tamponneuse. Et ça me fait déjà pas mal d'attractions. Je vais attendre juste qu'il y ait au moins une de plus ici. Une de plus que j'ai pas mise, bien sûr, bien entendu. Beaucoup de personnes ont soif. Ah, ben rajoutons des petits trucs de boisson. Tout simplement. Où est-ce qu'on va le mettre ça? Est-ce que je le mettrai pas genre ici même? Ah non, j'ai mis des gros lampadaires devant, je peux pas. Est-ce que je le mettrai pas ici? Tout simplement comme ça. Hop. Et faire une route. Comme ça. Très bien ça, excellent. Ainsi qu'une petite route ici, histoire de mettre quelques bancs et un lampadaire. Voilà, voilà, voilà. Excellent. Augmentant, non c'est bon, normalement c'est déjà augmenté, donc je l'ai fait. Ah non, j'ai pas écrit ça, j'ai pas tapé sur ça, merde, merde. Ah. Vas-y là. Ouais, vu que c'est pas censé être un jeu qui est censé s'afficher en 2K si tu veux. Au départ le jeu est sorti, ça devait être 1280 par 700 au maximum quoi. Du coup tout est un peu petit. Mais bon, c'est pas grave. Au moins on a une bonne vision du parc avec un. Avec cette résolution là. Ce qui est pas mal du tout. Avant on se perdait un peu dans les informations. Maintenant c'est bon. Des stands de lunettes de soleil. D'ailleurs j'ai pas d'autres. De boisson donc à faire, non j'ai que les boissons. Là j'ai un stand Hershey. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y on va le mettre. On va le mettre ici. Voilà, parfait. On va le mettre ici. Et on va toujours pareil augmenter de 40 centimes. Parce qu'on est des rapias. Et on aime ça. Hop. Voilà, parfait. Ah mais non. Allez. Voilà. Sûr. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, excellent. Synchronisé. Tous ces types de bâtiments et on ouvre et on rajoute comme d'habitude une petite route ici ainsi que ici et on va mettre quelques bancs et un lampadaire. Bah voilà, oh bah voilà, très bien, très bien, très bien.
Hop là. Je suis presque à 500 alors que j'ai pour l'instant j'ai rien changé. Moi je vous dis ça, c'est une technique qui marche à chaque fois. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, ma petite Lucette. Est-ce que genre, je sais qu'il y a moyen normalement. Si je tape sur des ballons, de les exploser. Oui! C'est ça. Je peux exploser des ballons comme ça, ils vont en acheter d'autres. Ah, c'est trop bon. Oh bah merde alors, mon ballon il a explosé. Quel dommage. C'est pas grave, il y a un autre stand de ballons, tu pourras en acheter d'autres. Il n'y a pas de souci. Bon, et ben voilà. Et dès qu'on atteint les 500, je vais m'arrêter parce que ça fera bientôt une demi-heure. Et oui. C'est vrai que c'est un jeu qui prend un peu de temps quand même, hein. On va pas se le cacher. Je pourrais faire beaucoup mieux que ça. Mais pour l'instant, c'est suffisant. Première mission de la première carrière. Enfin, première mission de la carrière, tout simplement. Forcément que ça va être assez simple. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Déchets et vomi moins 12? Qui c'est qui fait pas son boulot là? Ça pas quoi? Des ballons partout! Qui c'est qui fait pas son boulot? Où est-ce que c'est sale? Où est-ce que c'est sale, les gars? Bordel. Il y a tellement personne ici. Trop drôle. Ah bah ouais, là, c'est méga sale, là. Dis donc. Eh bah écoute, moi, je vais pas me laisser faire. Hein. Moi, je ne vais pas me laisser faire, mesdames et messieurs. Je vais ajouter un petit gardien. Après, je pourrais éventuellement mettre des poubelles, oui, mais bon, au final, j'en mettrai plus tard quand je serai un peu plus avancé dans le petit jeu. Hein. Parce que là, on s'en fout un peu, en vrai. À vrai dire. Et voilà. Et je pense que bah, pour ce style de jeu, au final, le mieux, c'est que quand je fais des grosses attractions, parce que des fois ça va arriver hein, de faire des. Il y a des défis, c'est d'avoir des trucs avec des intensités, des attractions avec des intensités max et tout. Genre valeur excitation hard et tout. Je pense que si quand je construirais mes propres montagnes russes, j'accélérerais un peu le temps. Je ferais ça en timelapse, je sais pas comment on dit. En mode accéléré, quoi. Tout simplement. Parce que bon, ça prend vraiment 10 ans. Donc bon, si je passe une demi-heure à construire un parc d'attractions et que la vidéo fait une demi-heure, bah. Il n'y a pas grand-chose à voir. Tout simplement. Donc j'essaierai de faire ça, on verra bien ce que ça donne. Bon bah écoutez, c'est parfait, je vais m'arrêter là pour le moment, parce que ça fait bien une demi-heure. Et je recommencerai bah, juste après pour la suite de cette première mission de carrière. Et normalement, ça devrait être un succès mondial, planétaire, intergalactique. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine pour la suite. Salut!